Bon, je vous reprends, il est 7h20, on est dans la voiture avec les gars. C'est quoi cette tête? Puis on a Marceau, Adam qui est pas du tout content d'aller au centre de loisirs, mais malheureusement, hein, comme je lui explique, j'ai pas le choix, donc il n'a pas le choix que de s'adapter. Du coup, j'ai mis mon masque, hein, puisque je vais les emmener là. On a un petit chouï en avance, enfin moi je vais être du coup en avance au travail, je pense, mais bah, c'est pas grave, hein, vu que de toute façon je travaille pas cet après-midi. Quoi qu'il en soit, mon colis est prêt à partir à 8h30, donc tout va bien pour moi aujourd'hui. Tu travailles pas aujourd'hui? Bah si, je travaille. Que le matin? Que le matin, oui. Ok. Jusqu'à la fin de ma pause déjeuner, je vais travailler pendant ma pause déj du coup. Et puis je partirai direct pour venir récupérer Adam. Ensuite, on repasse à la maison chercher son dossier, récupérer les grands. Et puis quand je dis récupérer Adam, je récupère Marceau aussi. Hein. Et puis ensuite, on pourra partir. Voilà, direction Angers pour le rendez-vous. Ça m'enchante pas d'aller à Angers, mais bon, y a pas le choix. Donc voilà, bon bah c'est parti les gars. Non. Bon bah je vous reprends, il est 7h42, je viens d'arriver au travail et je suis arrivée la première. Comment vous dire, j'étais très en avance. Donc je pense que demain, je les lèverai un petit peu plus tard parce que c'était très compliqué pour Adam quand même. Hein. Il a eu beaucoup de mal à se lever, il a eu beaucoup de mal à s'habiller. Enfin, il a pris beaucoup de temps, donc c'est vrai que c'était un peu ça que j'appréhendais. Mais j'ai vu trop large pour le coup. Donc demain... je les lèverai un petit peu plus tard. Là, je les ai levés à 7h. Peut-être que je les lèverai à 7h15 demain. Comme ça, je les dépose à 7h30. Et c'est parfait. D'autant que le temps de dépôt, il est très court. Hein, puisque de toute façon, on n'a pas le droit de rentrer. Donc là, je suis dégoûtée. En fait, j'ai complètement zappé que il leur fallait un trousseau. Normalement, un paquet de mouchoirs, une gourde à leur nom, etc. Et bah voilà. Bah moi, j'ai pas mis la gourde. J'ai pas mis les mouchoirs, j'ai rien mis. Marceau, il a juste pris son doudou et puis c'est tout. Voilà. Donc c'était un petit peu moyen comme organisation. Donc voilà, bon bah je vois que mes collègues vont commencer à arriver. Donc je vais vous laisser et puis je vais essayer de rentrer dès que ça va ouvrir. Donc, moi j'ai très bonne idée de mettre des pieds nus le jour où il pleut. Bon les amis, je vous reprends, il est 18h30. Clairement, je viens de rentrer tout juste de mon rendez-vous à Angers avec Adam. Donc du coup on était parti avec Adam et Marceau, on a fait notre petit rendez-vous. Donc moi j'ai quitté le boulot à 13h15 tout rond, j'ai récupéré les gars à 13h30, on est repassé à la maison juste pour récupérer le carnet de santé d'Adam et son dossier en fait. Voilà. Ce que je retrouve dans le canapé, les chaussettes d'Elsa derrière les coussins, c'est normal. Donc, je suis repassée à la maison pour récupérer le dossier médical. Enfin, le dossier médical, façon de parler, mais le dossier correspondant à son spécialiste, en fait. Enfin, je sais pas comment dire, pas le dossier qui était lié à son rendez-vous. Et puis, du coup, on est parti tout de suite. On est arrivé là-bas, il était 14h30, donc clairement en avance. Sauf que, en fait, une fois arrivé dans l'hôpital, on s'est perdu. Donc finalement, on est arrivé dans la salle d'attente, il était 57, autant vous dire que on a failli être en retard. Bon, on a pris le temps quand même d'aller acheter une bouteille d'eau parce que les gars avaient hyper soif et j'avais oublié d'en prendre une. Donc comme il y a une cafette au milieu de l'hôpital, on est allé à la cafette. On espérait y repasser en sortant du rendez-vous parce que en fait les gars avaient faim, donc on s'est dit il était déjà 16h passé. C'était évident que le temps qu'on rentre, il aurait été tard pour goûter. Donc les gars voulaient prendre un goûter, du coup... Je vais me faire ma demi-heure. Oui. Bah tu vas pas avoir le temps de faire une demi-heure complète. Hein, parce qu'on va manger là. Mais pourquoi tu veux essayer de... Bah parce que j'ai envie de faire mon vlog. Mais moi j'ai besoin de faire mes demi-heures. Bah tu prends la tablette. Ah, demande à Elsa, normalement elle a dû la charger, je lui avais demandé. Mmh. Elle l'a pas fait. Quoi? Bah si t'en sais rien, pourquoi tu parles? Je crois, en fait, Elsa et moi, on est restés dans le canapé depuis deux journées. Je crois qu'elle n'a pas mis ça. Tu l'avais vu aller décongeler les pizzas? Bon, bah voilà. Moi, je l'ai juste vu prendre les pizzas et les poser sur la table. Bref. Donc, du coup, on a voulu aller à la cafette après et en fait, bah, c'était fermé. Pas de bol. C'était fermé parce qu'en fait, ça ferme à 16h. Pas de bol. Donc, les gars étaient hyper déçus. Et puis, en plus, ils avaient faim, normal. Donc, en fait, on s'est dit, on va s'arrêter au premier McDo qu'on trouve. Donc, c'était celui de Chemillé. Donc,
On a été au McDo à Chemillé, ils ont mangé chacun un donut. J'en ai évidemment ramené un pour Elsa et un pour Com pour pas faire de jaloux. Et puis on s'est bu un coca zéro parce qu'il faisait vraiment soif. Et puis on est rentré. Oh, la fausse jalousie. Maman, bah si, la télé est allumée. Donc. Non, la télé là-haut elle est éteinte. Oui, il faut rallumer la multiprise. Pourquoi elle était éteinte? Je l'éteins tout le temps. Pour économiser l'électricité. Et donc bah là on vient de rentrer. Donc le rendez-vous bah, c'était super. Bon, juste qu'on a été reçu 50 minutes avec 50 minutes de retard, n'est-ce pas? Alors Marceau, il a une chemise qui ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Il a fait de la peinture à la périscolaire, et, enfin au centre de loisirs. Il en avait, d'ailleurs il en a toujours, hein, jusque sur le front là. Je sais pas si vous voyez, mais non, c'est peut-être de l'autre côté, je sais plus. Mais non. Il a de la peinture. Bah non, avec la transpiration, c'est parti. Mais voilà. Il en avait là, sur le côté du visage, normal, quoi. Et donc, a priori, son polo était bien, bien taché. Donc, elle l'a passé à l'eau et tout pour qu'il soit détaché. Donc, non, là, je vais au soleil. Elle l'a d'abord lavé à l'eau et après, elle l'a mis au soleil pour qu'il sèche. Mais du coup, il n'a pas eu le temps de sécher avant que je vienne le chercher. Donc, elle me l'a rendu humide. Elle me l'a rendu humide, pourquoi pas. Non, par contre, le t-shirt dans le short, ça ferait mieux. Ouais. Et il est un peu grand le short. Bah ouais. Tu le perds ou pas? Bah non. Parce que si tu le perds pas, ce qui va rétrécir un peu au lavage. Ah oui. Donc Elsa qui a essayé son short. Donc, bah oui, on a été reçus avec 50 minutes de retard. Donc un peu saoulant, les gars, ils en pouvaient plus, les pauvres. Et bah finalement, le rendez-vous, vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le contact avec cette femme. Elle me laissait le temps de gérer Marceau, etc. Enfin, elle m'a... Enfin, je voyais bien qu'elle... ça ne l'énervait pas que je prenne le temps de répondre à Marceau, parce que Marceau était évidemment très demandeur, vu qu'on ne s'occupait que d'Adam pendant le rendez-vous. T'as mis Netflix? Bon, oui, c'est normal. Tout va bien. On a regardé. Donc, t'as chargé la tablette comme je t'ai demandé? Bah voilà. Mais pourquoi en fait ça change? Bah pour qu'il puisse faire sa demi-heure comme tout le monde. Ah oui. Donc tu vas lui brancher pour qu'il puisse l'utiliser quelque part. Non, maintenant je sais. Quoi? Il faut appuyer autour. Oui, mais c'est pas comme si j'avais donné l'autorisation d'utiliser la télé là. Pour regarder la télé? Bah c'est un petit peu tard pour le demander vu où t'en es déjà rendu. Tu voulais pas jouer à la tablette? Bah non. Non, tu veux regarder la télé? Oui, j'ai vu. Mais c'est une demi-heure, hein. J'ai regardé. Donc, je suis en train de parler, Elsa. On en discute après. Donc, bah, le verdict, c'est qu'il n'y a pas de verdict. Pour l'instant, évidemment, hein, c'est un premier rendez-vous. Par contre, je l'ai trouvée très concernée. Elle m'a dit qu'elle voulait qu'on se revoie. Mais elle demande d'abord à ce qu'il y ait un bilan... il faut qu'on fasse un bilan chez un psychomotricien. Donc, elle m'a dit que ça peut être bénéfique pour plein de choses, pour le graphisme, pour sa posture, en fait, l'utilisation de son corps, la pleine conscience de son corps. Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore, même pour son état de frustration et tout ça. Enfin, ça peut l'aider à débloquer pas mal de choses. Donc, il faut que je prenne rendez-vous chez un psychomotricien. Et je crois que ce n'est absolument pas remboursé et que c'est extrêmement cher surtout. Donc là, il faut que j'en trouve un autour de chez moi. Enfin, autour de chez moi, pas trop loin de chez moi. Et puis qu'on ait un rendez-vous, mais ça ne va pas, à mon avis, pas être rapide. C'est le truc que j'ai regardé en saison 2. Sauf que nous, elle a demandé à nous revoir en décembre-janvier. Donc, je suis pas sûre que d'ici là, on ait eu le rendez-vous. Quand ce sera fini, ce sera à toi. Si c'est le cas, bah. Ce sera à toi, Elsa. Si c'est le cas, bah, je rappellerai la pédiatre pour lui dire que. Enfin, c'est une neuro-pédiatre. Pour lui dire. Et puis, je pense qu'on reportera le rendez-vous. Mais bon, elle a pas fait d'objection spéciale par rapport à son sommeil, par rapport à tout ça. Elle m'a dit que c'était un tout, en fait. C'est un état. C'est un tout. Donc, elle m'a dit, première étape, c'est le psychomotricien. Ça serait bien aussi de lui faire faire un bilan. Audio, elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit, on part de la base, hein, et la base, c'est l'audition. Donc, elle m'a dit, on ne peut pas attendre de lui qu'il soit concentré ou attentionné s'il n'entend rien. Donc, je me suis dit, mais oui, mais il entend, parce que quand je lui parle, il écoute la télé à un volume normal, contrairement à Com.
Et donc ouais, je sais pas. Donc pour l'instant, on est toujours un peu dans le flou, mais au moins, elle cherche. Donc ça, ça me rassure. Donc il faut que je trouve un psychomotricien autour de chez moi et que je prenne rendez-vous. Donc là, évidemment, il est 6h30, donc je peux pas prendre rendez-vous maintenant. Je vais essayer de trouver quelqu'un maintenant. Et puis comme ça, bah, on va voir la suite. J'ai essayé d'appeler Eric pour lui faire le compte-rendu, mais je n'ai pas réussi à le joindre. Et puis bah là, du coup, on va manger. Je sais qu'il est tôt. Hein. Vous allez me dire, oh là là, mais on mange super tôt. Mais oui, nous, on mange toujours très tôt. Donc bah là, du coup, on va manger. Et puis après, on va aller faire notre petite marche quotidienne. Les enfants sont ravis. Hein. Ils adorent ça. Donc, je suis très contente parce que moi aussi. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire 4 fois le tour de l'étang. Et puis, comme ça, on aura vraiment 1 heure. Puis, on aura beaucoup plus de pas et beaucoup plus de calories en moins. Et on verra bien comment on va le vivre. Hein. Donc, bah, je suis ravie. Donc, on va continuer comme ça. Donc, bah, je vous reprendrai tout à l'heure. Peut-être que je filmerai un petit peu la balade. J'adore. Franchement, j'adore aller marcher avec les enfants. C'est trop, trop bien. Donc, bah, peut-être qu'on vous reprendra après. Voilà. Ça marche aussi. Bah oui. Mais non. Mais c'est comme un canard. Ça a des pattes. Ah, ouais, sérieux. C'est nul. Mais il retourne nager. T'as raison. Non. Pas, non. Maman. Ah, si. Qui c'est? Mais non, il nous suit. Il nous a vu arriver là-bas. Il est venu comme une flèche. Puis après, il nous suivait le long de l'herbe. Il nous regardait au-dessus du... Mais non, parce qu'il croit qu'on a dû pendu en retournant. Ben, on en a pas emmené. Puis on n'y pense pas, en plus. Mais maintenant qu'on sait qu'ils sont revenus, on en ramènera. Oui, donnez-le. Et après, il me semble que c'est pas très bon, hein, de donner du pain au canard. Bah, c'est quoi? Non, parce que je crois que ça leur fait gonfler l'estomac, il me semble. Il est trop marrant. Il marche à côté de nous. Non. En fait, je pense qu'il cherche un endroit où il pourrait sortir de l'eau. Non, ah, moi j'en connais un. Ah, il bouffe. Ben, vous venez, les gars? Non, je... Il vous suit, hein. Allez, les sportifs. Mais va-t'en. Non, Elsa, pousse-toi. T'es pénible, hein. Tu l'as empêché de faire ce qu'il voulait. Vas-y, mon cœur, refais tout Elsa, ça. Elsa, tu dois aller faire ce côté grand. Non, elle est pas assez grande. Oui, mais là, si, t'es trop grande pour celui-là, donc ça veut dire que tu dois faire celui d'à côté. Non, en même temps, ça revient au même que lui, hein. Regarde, il saute pour attraper, hein. Donc, t'en fais autant à côté, et puis... Ouais! Allez, tiens bon, encore. Vas-y, Adam. Ouais, allez, enchaîne les barres. Si tu restes trop longtemps sur une barre, tu t'affaiblis. Ouais, super! Encore! Bon, ben, on vous reprend, il est 23h10. Oui. Ouais. 11h20. Et en fait, on est tout simplement en train d'attendre que le début du vlog charge via AirDrop. Voilà. Ça y est. Okay. Ah, bah, ben, ça y est. Au moment où je le dis, toutes les vidéos sont chargées. Donc, ben là, on va du coup s'occuper du montage maintenant. Donc là, on est dans ma chambre, hein, comme vous le voyez. On vient de s'occuper de faire un petit tri dans les vêtements. Parce que quand j'ai récupéré les vêtements des enfants, de quand ils sont rentrés de chez Eric, honnêtement, j'avais envie de pleurer. Mais les vêtements étaient abîmés, en fait. Mais abusés. Alors, j'en ai parlé avec Eric, il me dit pas, bah, je suis désolée, il me dit, c'est pas moi qui ai lavé, en fait... Donc, en gros, sa copine, elle a un peu flingué les fringues de mes enfants, quoi. Donc, j'ai été un peu dégoûtée, parce que c'est quand même moi qui les paye, hein. Et donc, bah, en fait, le pyjama tout neuf de Côme, qui de base était blanc, il est revenu gris. Voilà. Enfin, le t-shirt, en tout cas. Tout le linge, il était rêche, il était fripé. Tout était plié sur l'envers, en fait, des vêtements... Enfin, j'ai pas compris. Donc, bah, j'ai dit à Eric, j'ai dit par contre, l'état dans lequel je récupère les vêtements, c'est abusé. Donc, il s'est excusé. Il m'a dit, bah, je suis désolée. Il me dit, en fait, c'est pas moi qui ai fait la valise, c'est pas moi qui ai lavé le linge. Et c'est pas moi non plus qui a fait la valise quand ils sont repartis, puisque lui, en fait, il travaillait. Et du coup, bah, c'est elle qui s'en est occupée, en fait. Sauf que, enfin, j'ai envie de dire que je m'en fous, hein, que ce soit lui ou pas lui.
je confie mon linge, la moindre des choses, c'est de me le rendre en bon état, quoi, tout simplement. Donc bah là, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, et enfin il y a quelques jours déjà. Et du coup, je lui dis, bah par contre, je veux pas être désagréable, hein, mais je lui dis, enfin concrètement, quand je vois dans l'état que j'ai récupéré mon linge, bah j'ai pas très envie de te le redonner, en fait, tout simplement. Et du coup, il me fait, ouais, non mais attends, il me dit, moi je peux pas là. Il m'a dit, je peux pas racheter un stock de vêtements comme ça. Du jour au lendemain, enfin, t'aurais dû me prévenir avant, j'aurais anticipé et tout. Je dis, bah, à vrai dire, je ne prévoyais pas de récupérer mon linge dans cet état-là, en fait. Je lui dis donc, c'est un peu ça qui a fait que je te dise ça. Donc, je lui dis, bah, écoute, c'est lui qui m'a dit, bah, à la limite, il me dit, donne-moi peut-être les fringues que tu leur mets pour jouer dehors, je sais pas, comme ça, au moins, il n'y a pas de danger que je les abîme. Donc, bah, du coup, j'ai fait du tri dans les armoires, parce que de toute façon, j'avais l'intention de faire du tri, puisque dans les armoires, ils ont énormément de récupération. Donc, pas seulement des vêtements Vinted, hein, parce que ce que j'achète sur Vinted, c'est en très bon état. Mais ils avaient beaucoup de vêtements de récupération, des trucs qu'on m'avait donnés, que j'avais gardés, parce que, bah voilà, c'était gratuit, donc... Je les gardais, mais qui, en fait, ne me plaisaient pas trop, quoi. Parce et là... Parce que t'avais pas fait attention. Hein? Parce que t'avais pas fait attention. Comment ça? Mais t'avais pas fait attention à ce que tu prenais. Bah si, j'avais fait attention, mais je me suis dit, ça fait ça de moi à acheter, donc que ça me plaît pas, tant pis. C'est des fringues qui étaient propres et pas trop abîmées, donc... Enfin, même pas abîmées, d'ailleurs. Et au final, par exemple, le jean que j'ai acheté chez Emmaüs, en fait, ça lui va pas du tout à Com. Parce que c'est une coupe droite, et lui, il a pas de jambes. Donc bah forcément, on a l'impression que le jean, il a fait caca dedans, quoi. Donc bah du coup, ça, je vais le donner à Eric. Je vais donner, par exemple, quand j'avais commandé les vêtements pour Adam, je crois que c'était en juin ou en mai, je sais plus. La dame, elle m'avait donné un ensemble short t-shirt qui était taché. Elle m'avait dit, écoutez, je vous le donne pour jouer dehors, ça fera très bien l'affaire. Bah, du coup, je lui ai mis ça parce qu'il a une tache en fait. Le short est taché, le t-shirt aussi. Donc voilà, j'ai mis que des trucs comme ça. Donc il m'a dit que pour lui c'était ok. Donc du coup, bah désolé pour la main, j'ai préparé. Donc c'est pas encore complet, mais il y a presque tout, donc c'est très bien. Moi, ça me vide pas trop les armoires non plus, au final, parce que... Bah, sauf la mienne. T'as plus rien? Bah, presque plus rien. Déjà, j'ai pas énormément de choses. Oui, mais toi, c'est prévu qu'on en rachète ce mois-ci, donc ça va le faire. On va te racheter deux pantalons, deux shorts, des t-shirts. Bah, les jupes, tu les mets pas pour aller au collège, hein, donc... Non, pas pour aller au collège, mais enfin... Bah oui, mais voilà, enfin, la majorité de tes vêtements, c'est pour le collège, quoi. T'as des robes? Ouais. Bah, c'est principalement pour les... Je t'achèterais une jupe, mais pas tant à t'acheter des jupes. Oui, une jupe en jean, quoi. Bah, on n'en a pas trouvé, Elsa, donc... On verra. Donc, Elsa, elle va avoir des vêtements ce mois-ci, mais du coup, les autres... si, comme il a besoin de t-shirts aussi, mais autrement... il a besoin de t-shirts, mais c'est des t-shirts à manches longues, donc c'est même pas... C'est même pas impératif maintenant, ça sera plus après la rentrée, hein, genre à l'arrivée de l'automne. Mais autrement, Marceau, il manque de rien. Adam, il manque de rien. Com, a priori, il manque de rien non plus. Donc, des caleçons. Com, il a besoin de caleçons et chaussettes. Mais moi, j'ai besoin de chaussettes, un petit peu. Bah, et puis de culottes aussi. Et des brassières. Et des brassières, ouais. Donc, Elsa, il va y avoir un gros shopping ce mois-ci. Ouais. Donc, par contre, je vais aller faire ça toute seule. Hein. Ouais. Et puis, on verra en fonction de ce qui va pas, ce que je pourrais ramener, changer. De toute façon, on peut tout changer maintenant, puisqu'on peut plus essayer sur place. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Bon, bah, sur ce, on va faire une clôture à la Mavachou. Non, je plaisante. C'est de la taquinerie pour l'abonné qui m'a dit qu'elle trouvait que je finissais mes vlogs comme Mavachou. Moi, j'en ai pas l'impression, mais c'est pas grave. Et oui, je voulais revenir aussi sur le fait de... sur mon souhait d'acheter un porte-bébé. Alors, tout le monde a exprimé son avis et je l'ai très bien entendu, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, je remercie... je sais jamais si c'est Christine ou Christiane, je crois que c'est Christine Botson, je sais pas comment on prononce, qui m'a laissé un commentaire en disant « ça reste ton choix ».
Mais oui, voilà, en fait, c'est exactement ça, ça reste mon choix. Et il faut savoir que je suis une grande porteuse, j'ai toujours beaucoup porté, j'ai porté Côme jusqu'à ce qu'il ait 5 ans. Il était bien plus grand et bien plus lourd que Marceau ne peut l'être aujourd'hui. Marceau, il a un poids de bébé, hein. Il fait 14 kilos, autant vous dire que c'est largement raisonnable. Et donc, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas porter Marceau alors que j'ai porté Côme jusqu'à ses 5 ans. Voilà. Donc, nous allons clôturer ce vlog. On va vous souhaiter une bonne journée. On vous fait des gros bisous. Oui, peu importe le moment où vous allez regarder ce vlog. Hein. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Et puis, on vous dit à demain dans un nouveau vlog. Toujours en famille. Oui. Et puis, on vous fait des gros bisous et on vous dit à demain. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez. Ouais, c'est une bonne idée.